Allez, c'est oh, bon. J'ai dit, parlé créole. Moi, t'as parlé créole. Ah, ouais. Je reviens de Guadeloupe. Mes frères antillais. Mais vous cuisinez un petit peu antillais alors? Ouais, j'ai fait le boudin blanc pour ne pas être raciste. Je ne fais pas boudin noir. J'en ai ramené de l'eau en plus du boudin blanc. Moi, je ne fais que boudin blanc. Comme ça, je ne suis pas raciste. Non, j'adore la cuisine antillaise. Moi, c'est les pastels. Comment appelle ça? Les petits gâteaux là, avec les crevettes dedans, les viandes dedans. C'est, les pâtés salés? Non, pas ceux-là, les petits triangles, la frites. Ah, les samoussas. Les ouais, les samoussas, les trucs comme ça, c'est oui. Ce que j'adore. Je peux en manger des tonnes, des tonnes, des tonnes. Puis j'adore aussi manger une antillaise, une bonne antillaise. Oh là là, doudou, moi, quand parler comme ça, mon corps l'a fait zizi. Moi, une bonne petite. Oh non, on dirait une brochette de pintade. Une brochette de pintade. Quand tu vois la petite antillaise comme ça, qui s'étire son corps comme ça, elle saute comme ça, on dirait les éperviers qui volent comme ça. Ça peut me glacer tout le corps. Chaud de vin. Yes, papa. Ah, mais j'adore. Quand c'est doux, c'est doudou. Quand c'est bon, bon. Voilà. Très bien. Donc, le DVD de Patson qui sort donc le 14 février. 14 février, c'est tout. C'est du tabac. C'est vraiment très, très comique. On a mis des bonus. Oui. J'ai fait des conneries dans la rue. Et j'ai mis. Pour moi, c'est pas qu'un DVD. C'est ma vie. C'est mon souffle. J'ai été adopté par des parents. J'ai galéré, j'étais à la rue pendant 2 ans et demi. J'ai souffert. Et c'est l'aboutissement d'un travail. Tout à fait. L'accompagnement d'un travail. Que les gens m'ont accompagné, toutes les personnes qui m'ont aidé. C'est-à-dire, si quelqu'un m'a tendu un verre d'eau, c'est grâce à lui, je suis là. Si quelqu'un m'a dit merci ou bonjour, ou m'a rendu service, c'est grâce à lui. Mes ennemis aussi, les gens qui ne croyaient pas en moi, c'est grâce à eux, parce que comme ils ne croyaient pas en moi, je vais faire pour avancer. C'est grâce à toutes les personnes qui m'ont soutenu, les publics qui ont payé pour venir me voir. Ils payaient avec la crise, ils payent pour venir te voir. Tu ne dois pas les décevoir. C'est ça, dedans, j'ai voulu la qualité. J'ai voulu que ça ne soit pas le DVD comme Monsieur Tout le Monde, mais le DVD Patson. Yes, Buchan, papa. Il y a tout. Je parle de tout le monde, des femmes, des enfants, des vieux. Et les gens ont demandé, Patson, on veut ton DVD. En tout cas, moi, j'ai regardé le peu que j'ai vu. C'est vraiment formidable. L'Olympia, ah oui, moi j'ai rigolé. Même toute seule, j'ai rigolé. Toute seule, bah j'ai rigolé. Mais moi, moi, je bloque les mâchoires. Hein. Moi, ah, c'est clair. Je fais rire direct. Mais tout le monde, bébé, tout le monde est passé. Et l'Olympia, le bonus de l'Olympia est dedans. Et la diarrhée. Non. Je vais pas dire tout. Il faut acheter le DVD. Celui qui télécharge mon DVD, il aura 2 ans de diarrhée. J'ai dit ça au marabout. Celui qui télécharge 2 ans de diarrhée. Si tu as des diarrhées, va acheter le DVD. Ça sort le 14 février, la Saint-Valentin. Si tu n'as pas de copine, tu achètes le DVD, tu dragues une nana, elle dit oui, tu lui donnes. Si tu es une nana, tu n'as pas d'argent pour acheter mon DVD. Technique. Le 12, le 13, tu chopes un mec, on appelle Pigeon Moineau. Tu lui fais un petit bisou. Il achète le DVD le 14, le 15, tu le laisses tomber. C'est tout. Comme ça, tout le monde. Chacun le DVD. Le chéri a son DVD. La chérite, elle a son DVD. Chacun. C'est pas un DVD par famille. Hein. Les noirs, là. C'est pas un DVD par famille. C'est un DVD par personne de la famille. Comme dans chaque famille de noirs, il y a au moins 30 personnes, ça fait 30 DVD. On a fait 1 million de ventes. Bien. Les Arabes aussi ont acheté. Hein. Tout le monde. Voilà. Les Chinois, vous êtes 3 milliards. Si vous achetez vous seulement, j'ai pas besoin de vendre aux noirs et aux Arabes. Yes, papa, les blancs vont acheter. Parce que pour ma carte de séjour, ils sont obligés d'acheter les blancs. Ah oui, en parlant de carte de séjour, vous avez fait pas mal de blagues là-dessus. Ah oui, j'ai pris sur tes feuilles, des blagues, des vous gars. Vous pourriez même au téléphone pour retourner au bled s'il faisait très froid. J'ai vu ça. Et ils m'ont dit non. Oui, je voulais qu'ils me rapatrient. Ils ont dit non, mais monsieur, on ne fait pas que ça. Entendu, vous êtes venu de vos propres moyens, vous rentrez de vos propres moyens. J'ai dit non, je vais rentrer, c'est vous qui avez. Bien, vous avez fugué. Ah oui, j'ai fugué. Avec. Elle sait tout sur moi. Ah oui, hein. André Hergé, j'ai dit attention, les journalistes, attention, ils savent tout. Même ce que tu sais pas. Et je pense que c'est important d'aller voir la personne quand on est quand même au courant de la personne. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est important. Moi, dans ma vie, j'aime faire des blagues, j'aime faire des conneries. Je ne me prends pas au sérieux. Et puis, j'aime mon association, on voyage beaucoup, on va dans les orphelinats. En France, on va dans les maisons de retraite. Parce que souvent, on croit que la misère, ça se trouve... Comment s'appelle votre association ? Microdor. Souvent, les gens pensent que la misère, ça se trouve en Afrique, au Brésil, en Asie. Mais en France, des blancs français souffrent. Des gens à la campagne souffrent. Dans les maisons de retraite, il y a des vieux qui n'ont plus de famille, qui sont seuls. Nous, on va, on écoute avant, ils nous parlent avant la guerre, et ils nous parlent de la vie, on reste avec eux, on discute avec eux.
ça me permet d'avancer, ça me permet d'écrire mes sketchs. Et souvent, quand les gens me disent, ouais, Patson, le noir, l'africain, le blédard, on ne veut pas me passer à la télé française, c'est faux. Moi, mes parents adoptifs, c'est des blancs. Je connais tellement les blancs que quand j'écris, je sais. Mon écriture, je métisse. Je prends de l'humour africain, français, je mélange. Et à mon style, à moi, aujourd'hui, aucun chanteur peut chanter ou aucun comédien peut aller à la télé et a honte. Avant, ils avaient honte d'être noir. Moi, je suis fier d'être noir. Je suis fier de ce que je suis. Je suis fier de mes ancêtres. Jamais je changerai pour faire plaisir à quelqu'un. Tu ne veux pas de moi sur ta télé? Tout à fait. Va te faire foutre. Moi, je reste comme je suis. Tu es blanc. Reste comme tu es. Ne change pas pour faire plaisir à quelqu'un. Et moi, aujourd'hui, je suis fier quand des comédiens viennent à mon spectacle, ils copient des vannes et puis vont le sortir à la télé ou ils n'ont plus honte d'être noir. On a avancé. Mm-hmm. On a beaucoup avancé. Et pour moi, c'est important, important d'aider les gens. Jamel m'a aidé. J'aide les autres. Je vais dans les quartiers. Je vais faire des vendanges. On allait faire des vendanges pour aider les paysans parce qu'ils n'avaient pas de main d'œuvre. J'amène des jeunes des quartiers, on va là-bas. Quand il y a l'inondation, on participe. Haïti, on a participé. Martinique, quand la vie est tombée, j'ai participé. Je suis là parce que dans ce monde, il faut aller. Il faut aider les gens, il faut parler de la couleur de leur peau. Les gens peuvent dire, oui, personne, ils jouent au con comme ça. Mais derrière, je suis un humain, je veux faire comme Coluche, comme l'abbé Pierre. Malheureusement, on n'a plus ces personnes-là. Et aujourd'hui, on ne peut pas compter sur les politiciens. Moi, je suis un artiste, je ne fais pas de politique. Mais il faut pas que tu changes. Je viens de la Côte d'Ivoire, je ne fais pas de politique. Un artiste ne doit pas faire de politique. On est là pour le peuple. C'est les gens qui te portent. C'est ces gens-là qu'il faut voir. Parce que quand tu les as oubliés, le jour où tu montes, tu descends, tu vas comprendre. Quand vous montez à un arbre, vous êtes avec un ami à côté d'un arbre fruitier. Ça, c'est ma grand-mère qui disait ça. Si l'ami monte avec un sac, vous êtes sûr qu'il va jamais, il va vous oublier une fois qu'il est là-haut. Parce qu'il a un sac, il va mettre tout dedans. Par contre, s'il monte sans sac, c'est que c'est vraiment un bon ami. Parce que quand même s'il mange, à un moment, il laissera tomber quelque chose pour vous. Et celui qui mange le riz, qui serre les doigts, c'est celui qui n'a pas envie de te donner à manger. S'il libère les doigts, au moins, il y a quelque chose qui tombe. Et pour moi, quand tu gagnes de l'argent, quand tu fais ce métier et que les gens te portent, achètent ton DVD, le peu que tu gagnes pour vivre, prends un peu, aide les autres. Il ne faut pas grand-chose pour aider les gens. Il faut aider. Mais l'assistanat, je ne suis pas dedans. Quand on va en Afrique, on monte des microcrédits, on aide les gens à s'en sortir eux-mêmes. Mais je ne donne pas des billets au coin de la rue, je ne distribue pas de billets, moi. Je ne suis pas distributeur automatique. Mais je dis, tu as une idée, tu as une valeur. Comment on peut travailler ensemble? Comment je peux t'apporter? Et comment ensemble, tu peux t'en sortir? C'est comme ça on m'a fait. Jamel ne m'a pas donné des billets. Il m'a montré à la télé, j'ai saisi l'occasion. Tout à fait. Chacun doit saisir et c'est ce que je dis aux jeunes. Saisissez l'occasion, arrêtez de dire on me donne pas. Qu'est-ce que tu te donnes toi? Et l'Afrique, les Noirs, la communauté, doit apprendre ça. C'est pas attendre, oui, le blanc m'a pas donné, oui, le blanc ceci. C'est nous d'abord. Bossons d'abord, voilà, montre ta vraie valeur et après les gens verront ta valeur. Si aujourd'hui j'ai un DVD, en étant clochard, en étant dehors, j'ai un DVD, c'est que tout le monde peut l'avoir. Mais tout le monde peut l'avoir. Lorsque ça travaille dedans, la force mentale, c'est plus fort que la force physique. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'une force physique? Tu peux être allongé si tu es intelligent, tout se fait par ordinateur, tu fais des trucs. Mais tu peux être costaud si tu n'es pas intelligent dedans, tu as fait quoi? Tu ne fais pas déplacer des montagnes. Et moi, ce travail, c'est l'aboutissement d'un truc. C'est le fruit de ton travail. Et mes parents d'optique blanche qui ont cru en moi, qui m'ont aidé, je dis, ils sont fiers, ils vont avoir ça dans le salon. Ils vont dire, voilà, il y a 20 ans en arrière, on a aidé un petit noir. Il ne nous a pas déçus, il n'a pas volé, il n'a pas fait des conneries. Il a reçu à nous donner ça. Et les voisins qui étaient autour. Voilà, les voisins qui étaient autour, qui étaient jaloux, qui disaient, ah tiens, ils ont adopté un noir. Aujourd'hui, c'est mes voisins qui me demandent des autographes. Ah, votre fils, on l'a vu à la télé. C'est une fierté pour ces familles. Il ne faut pas décevoir celui qui t'aide. Tout à fait. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, dans ce DVD, vous allez voir dedans que j'appelle mes parents adoptifs sur scène pour que mon public les remercie. Et les gens avaient des larmes aux yeux. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un DVD comme les gens ont l'habitude de voir. C'est ma vie. Et c'est leur vie. Parce que quand vous avez souffert dans la vie, vous savez ce que c'est. Quand vous n'avez pas, vous vous en foutez, vous avez l'argent, vous mangez, mais vous ne savez pas ce que c'est que la misère. Moi, je le sais parce que je mangeais une fois par jour. Et quand j'ai mis la force dans mon DVD, ou quand je vais aider les gens, je les aide avec mon cœur. Et pas de ça, on peut dire tout, j'ai une grande gueule, je dis les choses. Mais non, il ne faut pas que tu changes. Je fais des actions. Sinon, ça ne sera pas Patson. Oui, voilà. et plus on te juge par les actions. Si quelqu'un veut, il tape sur Internet, il va voir. Moi, je ne fais pas le faillot pour que les gens achètent mon DVD.
Si tu achètes, tu l'achètes avec ton cœur. Si tu l'achètes, c'est parce que tu veux avoir pas de son acte de toi comme moi j'ai envie d'avoir. Ça montre un petit peu les images du monde, de la vie de tous les jours, mais en rire. Et je trouve que c'est bien. Voilà, oui, il faut le rigoler. Dans les sketchs, c'est vrai ce que tu dis. Une fois, Madre Maria monte à l'hôtel, il y avait 5000 ou 6000 personnes, je faisais un truc pour eux. Et puis, Madre Maria me dit, m'adore. Et puis, Amadou me dit, Patson, j'ai vu ton spectacle. J'étais mort de rire. Il dit, bon, comment tu as fait pour voir mon spectacle? Et il a rigolé, il m'a attrapé. C'est un papa, c'est un ancien. Mm-hmm. Et puis on a rigolé comme ça. Parce que pour moi, on doit partager des choses, on doit rigoler des choses. C'est normal qu'il rigole, que je lui dise, je le vanne, même si c'est ingrat avec le respect que je lui dois, mais je l'ai fait. Il faut être naturel et vrai. Quand les gens voient que tu es vrai, ils t'accompagnent. Mon public me suit partout. Des gens payent 30, 40 euros pour venir me voir. Est-ce que je le vaux? Je le vaux, oui ou non? Mais si je ne le vaux pas, pour moi, je me dis, peut-être je ne le vaux pas. Dans ce cas, il faut que je compense par des actions. Il faut que je sois vrai avec eux. Mm-hmm. Parce que quand tu les déçois, mm-hmm. je suis vraiment l'un des plus grands ambassadeurs de l'Afrique, de mon pays, la Côte d'Ivoire, des Noirs, des Blancs, ici, de la jeunesse. Parce que quand je me déplace, les jeunes sont contents. Quand vous avez des joueurs de foot, quand ils vous voient, ils deviennent fous. Quand on parle de Didier Drogba, on parle de Claude Makélélé, on parle de grands joueurs. Quand ils me voient, ils sont contents de me voir, ils sont fiers de me voir. Ou de l'équipe de France de l'athlétisme, ou de handball qui vient voir ton spectacle. Ils sont fiers de me voir. Ou Gad Elmaleh dit à son fils, je ne connais pas de son, le fils dit papa, je ne crois pas. Quand vous arrivez à ce niveau-là, vous dites, vous n'avez plus rien à prouver aux gens. Vous avez juste à travailler et séduire les gens et laisser une bonne place. J'ai fait 9 mois au Palais des Glaces. Aucun noir l'avait fait seul. Je l'ai fait et je remercie l'équipe du Palais des Glaces. Aujourd'hui, je peux avoir ma photo là. Et demain, si un noir vient, on ouvre la porte. Quand tu montes ton bon côté, ça oui. aide aussi pour ceux qui vont venir. Si tu fais n'importe quoi, mm-hmm. mais la porte est fermée pour tout mm-hmm. le monde. C'est clair. On dit quand tu rentres quelque part, moi je dis tout le temps, tu rentres quelque part, il faut toujours mettre un caillou à la porte. Tu ne sais pas qui te suit. Mais beaucoup de noirs n'ont pas compris, qui ont envie de changer, mais être blanc. Ils enlèvent le caillou. Mais ce n'est pas la solidarité. La solidarité met toujours le caillou. Ça peut te sauver toi aussi, parce que si tu as un danger dedans, tu peux sortir rapidement. Mais si tu enlèves le caillou, personne ne peut rentrer. Et si la maison brûle, on ne peut pas t'aider. Donc chaque fois, partout où je passe, je laisse un caillou. Avec Jamel, j'ai laissé un caillou, un bon point. Je peux revenir chez Jamel, je peux partir. J'ai pris mon envol parce que j'ai grandi et il faut partir un jour. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai quitté Jamel. Tout à fait. Et mon DVD, c'est ça. J'ai laissé un caillou pour mon public. Parce que demain, si je ne peux plus faire ça, je peux être éducateur. Je peux travailler ailleurs. C'est pour ça que je dis aux jeunes, il faut toujours avoir un caillou dans sa poche. Pas pour balancer sur un flic ou casser quelque chose, mais un caillou pour bloquer la porte. Tout à fait. Ouais. Avoir une issue. Et ça, c'est moi qui l'ai écrit, c'est la sagesse. Et comme ma grand-mère disait, si l'union fait la force, l'oignon en tout cas fait la soupe. D'accord. Bon, on va terminer cette interview. Surtout, acheter le DVD de Patson qui va sortir donc le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Vous avez intérêt, sinon ils vont valer. Vous avez intérêt, oui, tout à fait. Moi, je te remercie au nom de la radio RMG Tropical. RMG Tropical, salut. Et puis, je serai à Lyon. Je serai à Lyon au mois de mars. Vrai? Oui, je serai à Lyon au mois de mars. Je n'ai pas la date, mais en tout cas, guettez, les billets sont en vente déjà. Allez-y, je vais mettre le feu, mais vraiment un feu, mais monumental. Lyon, la ville de la lumière, je vais éteindre les lumières. Et nous, on sera là pour te soutenir. Ah oui, pas ni problème. Au cas vini. Et à plus tard. Dieu n'a qu'à donner les forces là. Dieu nous bénit tous. À plus tard. Merci. Merci beaucoup. Merci, toi. Merci à vous. Merci. Moi, merci. Yes, papa, c'est calme.